Maintenant aux questions. Donc, je rappelle une minute. Je passe la parole à Christophe Arendt. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre d'État, en Lorraine se pose le débat sur l'exploitation du gaz de houille. La Française de l'énergie entend capter le méthane contenu dans les veines de charbon non exploitées et le commercialiser localement. Ce gaz pourrait en plus alimenter une centrale thermique fonctionnant actuellement avec du charbon importé en y pérennisant l'emploi. L'extraction à un prix compétitif permettrait de revitaliser l'ancien bassin houillé lourdement impacté par la fin de l'exploitation minière. Actuellement, l'entreprise a engagé 50 millions d'euros avec une participation non négligeable de la région Grand Est. Le Bureau des recherches géologiques et minières affirme que ce gaz pourrait être extrait sans recourir à la fracturation hydraulique. Les opposants à ce projet estiment que l'exploration et l'exploitation sont invasives et délétères pour l'environnement. L'Association pour la préservation de l'environnement local 57 considère que malgré 10 années de recherche, aucun résultat probant n'a été atteint. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer la position du gouvernement sur l'avenir de l'exploitation du gaz de houille en Moselle-Est ? Je vous remercie.